en discussion, on se retrouve sur South Park 2, alias The Fractured Blood Hole, en français, l'anal du destin. Vous avez saisi? C'est drôle, hein? Il sort le 6 décembre, et aujourd'hui, je suis hyper content pour deux choses, c'est qu'on peut déjà commencer à y jouer, et surtout, on va pouvoir tester le Nozulus Rift. C'est l'Oculus Rift du nez, ça va nous permettre de sentir les odeurs qu'il y a autour de nous dans le jeu. Et ouais, remerciez-moi, j'ai pris beaucoup de risques en pénétrant secrètement les locaux d'Ubisoft. Ou alors, ils me l'ont filé, parce que cette vidéo est sponsorisée par Ubisoft, je sais pas. J'enfile la bête! J'ai jamais testé cette chose, on va découvrir ça ensemble. Donc... Tu vois, il y a déjà des gens qui l'ont utilisé avant moi parce que ça sent un peu le... Ça pue la merde. Oh oui, nous sommes de retour dans la villa familiale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on est dans le salon. Maman. Oh, did you get locked out? I'm afraid little Eric put a lock on the door to keep me out. I'm sure he has the passcode written down here somewhere. D'accord, donc Cartman est enfermé dans le sous-sol. Il doit faire une réunion de boss comme d'hab. Il nous faut un code, c'est ça? On va juste essayer un petit fuck you. C'est faux! Du coup, on va devoir aller fouiller la chambre de notre ami Cartman. Ok, c'est celle-là, les amis. Non, c'est chiant, mec. Attends, est-ce qu'on peut... Non. Non. Non, ils oseraient pas. Ils oseraient... Non. Mec, si ça me lâche une odeur de paix, je vais vraiment bader. Non, non. Oh ! Arrête ! Arrête ! Ah ! J'ai prévu un saut totalement dégueulasse. Au cas où. Oh, mec ! Putain ! Alors, la chambre, du coup, c'est quoi ? C'est ça, sa chambre ? C'est pas ça. C'est ça. Oui, c'est la chambre de Cartman. Oh mon dieu, à Terence et Philippe, mon gars. Si on les croise, on est foutu. Un cahier, c'est la danse dans son journal intime. Oh mon dieu. Le journal intime de Cartman, qu'est-ce qu'il y marque? À votre avis? Est-ce que c'est étonnant? Non, Cartman, arrête. Beware, do not open, coon only. Ah ouais. K-code, fuck you, mom. Cartman, je vais descendre te montrer ce que c'est le respect envers les parents, mon gars. Fuck you, mom. Ok, c'est parti, j'arrive. If there is someone in this town who knows someone who works at Netflix, then we have to find that person today. Mosquito, you run ABLs on all known Frida Pals activity. Human Kite and FastPass, see what you can learn about their POIs. Super Craig, just, I don't know, browse the internet or something. Let's go, Kung Fu. Ok. Alors où faut aller? Faut parler au boss? Parle-moi, boss. Dude, what the fuck? Who let this ordinary citizen into the Kung Lair? Mec, j'ai une couronne et une cape. D'où tu crois que je suis pas un super héros? Qu'est-ce que c'est que ça? Mom, the new kid is trying to play with the cube of ultimate destruction. You be nice to all your friends, Eric. Be a good sharer. Tiens. Good sharer? It'll blow up the fucking galaxies. Stupid bitch. Freedom Pals are adding people to their franchise. We should be adding people to ours. Does this look like a superhero to you? Mais oui, putain. All right, have a seat, douchebag. Eh, mais tu me parles bien, putain. Je me suis battu dans le premier, j'étais fort. Not there. Laisse-moi me sortir où je veux, putain. That's Mysterion's seat. Celui-là, peut-être? Not there either, stupid. Putain, j'en ai marre. Je peux asseoir où, putain? Ah, ok. All right, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Let's take you back to when you were just a child. You lay awake that night. Like so many other nights, you couldn't sleep because you knew you weren't like the other kids. You walked to the mirror. You swore you could hear your mother calling for help. J'arrive, maman! Out in the hallway, you saw two intruders in front of your parents' door. You knew you had the power to stop them, so for the first time, you called upon your speedster powers. Oh mon dieu! Quand tu me punches, je vais me téléporter et le défoncer. C'est parti! Oh mon dieu! Damn, we weren't expecting a superhero to live here. Tiens, bâtard! There was nothing they could do against the hero's final strike, a supersonic dash! Supersonic dash, mon dieu, mon gars, c'est la goutte d'eau qui va les tuer, ça veut rien dire! Ah! Ouf! A third massive intruder entered the fray, bigger than the other two intruders combined! Ah! Ah! Attends, il fait trop mal! Je ne laisserai personne chier dans mes... toilettes! So you beat them. All seemed to be okay. But then you finally reached your parents' door. And what you saw when you opened that door changed your life forever. You saw your dad fuck your mom. Incroyable histoire. Wow, that's a pretty heavy backstory. You fight crime because you never forgot the night you weren't in time. This or this. And you saw your own father, the man you trusted, fuck your mom. Oh mon dieu, c'était très éprouvant. Oh, on a notre tenue! Oh, je suis ému! Qu'est-ce que... Non, non! Ah! Quand j'appuie sur X, il fait un vieux P, mec! Non! Non, je ne rappuierai... Non! Tu sens, Clément? Les gens autour, ils sentent tellement ça envoie du gaz! Ok, on va sauver la galaxie, aux côtés de Iron Man, et de ce mec à moitié chauve. Allons, on y va! Ah! Ah, non! Puisque je me rate, du coup, faut que je refasse, je reprends l'autre. On va le faire, allez, on va le faire, on va le faire. Je me concentre. Je pense que je peux en mourir, j'ai vraiment l'impression que je peux en mourir si j'en respire trop. Ah ça pue, je vous jure, on a embaumé tout le studio. Du coup on est sur le toit et on peut ouvrir la box. Oh j'ai eu un poids et un casque, splendide ça. Mission accomplie, oh non. Oh non. Clear for takeoff. Ah, ça me tend. Ça m'énerve mais j'ai vraiment l'impression d'avoir mis mon nez dans une raie du...
Ah, c'est bref. J'aurais pas juste pu tendre une corde plutôt que d'avoir à faire 600 P. Mec, qu'est-ce qui peut être pire, quoi? Non. Non. Non, non. Ah! Ah, ah man. Je vous jure, c'est pas des pets d'humains, mon gars. C'est des pets d'une autre race, bien plus grasse que les humains. Ah, la petite réu. We were supposed to be a duo, remember, Tweak? Yeah, I remember. So when I walked out on Coon and Friends, you should have walked out with me. I like Coon and Friends because you had your own movie. Thank God you're here. They're really going at it. Super Craig had to have movies before Wonder Tweak was introduced. It made no sense otherwise. Your whole group makes no sense. Because you're a traitor, Tweak, and now you're with a group of super traitors. This was started by you. By people who thought there should be preferential treatment to certain heroes. We aren't the ones who walked out of the fucking franchise, Mysterion! Eric, you must listen to me. Right now, I'm speaking to you telepathically. Get out of my head, Timmy. Your franchise is going nowhere. Face the truth, Eric. You guys are kind of douchebags. He just called us douchebags, in my mind. He did? Alors là, t'aurais jamais dû faire ça! Oh, le bâtard STP! Mais c'est pas le lâche, il veut s'enfuir! Deal with these assholes! Ok, Capin, il n'est pas s'occuper de Timmy. 3v3, ça va chier, mon gars! Mon gars, je vais la rentrer dans direct. Je vais mettre un coup de poing direct. Je vais mettre là. Bim! Ah, c'est nul, 46 points de dégâts. Je me suis enflammé. Lui, il y a moins de vie, c'est parti. Bla! Oh. Supreme Thunder! Attends, le mec, il envoie des éclairs! Je suis jaloux! Thank you later. Boom! Petit bouclier, petit bouclier! Oh, j'ai bien fait, moins 80, il est fort lui. Ok, c'est parti. Oh mon dieu, il peut faire quoi lui? Des doigts. Vas-y, jump pour les doigts. I'm good, I'm good. La rage, hein. Car, car. Stay out of the street, damn kids. Fuck you, dude, it's civil war, dick. Par moi, l'Avenger, souvent en bataille, il y a une voiture qui passe et ils s'arrêtent tous de combattre. Laser dans ta gueule, bitch. Oh putain. Ok, les gars. That punch, bitch. Ok, ça va chier, j'ai mon pouvoir spécial. Je sais pas ce qu'il fait quand il y a ce pouvoir spécial, mais... Oh. Attends, ça va faire trop mal. C'est parti. Oh. Allez, c'est fini. YOLO. Ouais, méga sûr, on est là. En costume ridicule. Oh non. Coon, what happened? Chef. Timmy got away? He completely raped my mind. You okay? No, seriously, you guys. He fucked the shit out of my brains. I grabbed him. We fought for a little bit, but his mental powers are too strong. So we did all that for nothing? Not quite. I got Timmy's cell phone. Ça, c'est mon patron, ça. Super Craig can analyze it. Wouh! Et ben voilà, j'en suis à fond. C'est déjà la fin de cette mauvaise odeur. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette petite démo. Putain, on a tellement envie de faire tout le jeu tout de suite. Ouais, sinon, ce que je fais, c'est que je me réinfile dans l'entrepôt d'Ubisoft, puis je vole une copie du jeu, quoi. C'est une blague, hein, Ubisoft, appelez pas la police. Croyez-moi, ce truc envoie une odeur, mais de mort. Bah, à tel point que j'ai ça à côté quand même. Harmonisant tonique. C'est pas mal. Hein. C'est assez incroyable, je suis juste déçu que vous puissiez pas sentir l'odeur. Parce que dans l'Oculus Rift, vous voyez ce que je vois, mais là, vous pouvez pas sentir ce que je sens. Malheureusement, c'est sorti juste pour la promo du jeu. Donc, on pourra jamais en trouver en commerce. Mais c'est vraiment incroyable. C'est une vraie innovation, je pense que c'est l'avenir. Clairement, sentir du prout quand tu joues, c'est le futur. Le futur est là, on va pas se mentir. Franchement, j'imagine un autre futur, mais celui-là, il est pas mal non plus. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et on se retrouvera le 6 décembre pour faire un petit let's play sur South Park The Fractured But Whole. À très dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, merci d'avoir regardé. Je retourne sentir des proutes. Ciao tout le monde, peace. Ah mais ça sent, c'est vrai que ça sent même quand, enfin ça traîne là l'odeur quoi.